invité à RTL, Johan Cavalro, délégué national syndicat de police, revient sur le discours prononcé par Emmanuel Macron lors de sa visite à Calais, entre humanité et fermeté. Emmanuel Macron était à Calais, ce mardi 16 janvier, pour évoquer la question des migrants. À cette occasion, il a prononcé un discours devant les forces de l'ordre. Aucun manquement, la déontologie ne sera tolérée, a indiqué le chef de l'État, tout en affirmant qu'il ne laisserait pas non plus de fausses rumeurs visant les forces de l'ordre circuler. Si les policiers se sont soutenus après ce discours, ils auraient apprécié que la mise en garde contre ceux qui propagent de fausses rumeurs, leur encontre, arrive avant le rappel à la déontologie. Ces règles d'être exemplaires, on le sait, ça ne sert à rien de nous le rappeler sans arrêt, estime Johan Cavalro, délégué national syndicat de police. Nous, ce que l'on demandait en premier, c'était par rapport aux diffamations, au procès. Effectivement, ce qui a été annoncé, maintenant on va attendre les actes, explique Johan Cavalro. Ce dernier note que de nombreuses accusations de violence ont été portées contre les forces de l'ordre, notamment par des associations. Jusqu'à présent, elles n'ont pas été prouvées, et quand il y a eu des enquêtes, les collègues n'ont pas été poursuivis, rappelle Johan Cavalro, qui salue les chefs de l'État. Le discours a été ferme. Guillemets.